Haïtien tout partout dans quatre coins du monde là. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur Chanel Paula. Chanel qui toujours pote bon jan nouvelle pour bon jan information sans fausse côté, sans voye monter, mais gen pile de ce cap fait actualité dans la coupe pays d'Haïti nous pote pour là. Eh bien, dossier insécurité dans Cité Soleil, affrontement entre deux gangs rivaux, eh bien fait, eh bien population lui-même aux abois. En pile mon a perdu la vie nan belè tout affrontement entre Caché Difé avec Wobelè fait en pile mon a péri nan population belè. L'autre information n'a bien pour porter pour et bien nan Gonaïve yo arrivé mettez la patte sur un citoyen qui ont accusé qui t'a fait kidnapping et qui participait déjà dans plus passé deux kidnapping nan Cité l'Indépendance. L'autre information n'a bien pour porter pour là et bien plusieurs jeunes femmes ou bien maman en dans prison civile et bien cabaret même arrivé jeune libération yo et commissaire gouvernement Port-au-Prince, Maître Bedford Claude lui-même lui fait connait et bien initiative ça fait un pour fête maman, deux pour goumen contre détention préventive prolongée. Et bien c'est toute information ça avec un pilote qu'on a bien pour porter pour vous ou même qui pourquoi abonner à la chaîne là, n'a pas de faire ça kounya là. Comme ça ou pas perdre même un yota dans série information n'a bien pour porter pour vous. Et bien, j'en t'ai annoncé ça en titre, non, commune Cité Soleil, dernier jour ça ou là, eh bien, affrontement a fait entre groupe Negaxam, non, Cité Soleil, et nous connaissons qui divise en plusieurs quartiers, et chaque groupe ça y est, Negaxam ça y est, a dirigé plusieurs quartiers tout en dans Cité Soleil. Ben, les coups Boston, eux même, ils ont fait coalition pour goumen contre mon nom. Eh bien, cap vive nan Brooklyn. Eh bien, en pile coup de zam habitué tiré nan cité a, en pile moun habitué perdi la vie en dan Cité Soleil et population li même li critiquer comportement la police face avec crime sa yo kap fèt. Eh bien, yo di la police li même li impuissant face avec eh bien affrontement entre deux gangs rivaux sa yo et nous connaissons dans Cité Soleil gen un commissariat mais faute d'effectif eh bien commissariat sa li même li pa ka eh bien montrer présence si vraiment en dans Cité Soleil. Ça veut dire commissariat tant que son pauvre li là pour faire belle seulement eh bien juste faire qu'on est un commissariat là mais la paix pa ka rétabli dans Cité Soleil. Eh bien dans affrontement ça dernier jour ça plusieurs moun nan perdi la vie yo et bien parmi yo yon maman ki gen deux petites et bien gen yon nan tous les deux petites yo victime pa bal gen yon ki mouri sou place et l'autre la était obligé courir l'hôpital avec li et gen yon jeune garçon 20 l'année ki perdi la vie en babal tout et li même yo boulé kol. Bien ça veut dire crime ça yo c'est crime moun condamné et ces bagages n'attendent chaque jour en Haïti. Et bien dans même commune Cité Soleil ça bien dans titan dans affrontement ça tout gen un monde qui dans un bus et bien qui arrivé prend une balle dans tête et puis li mouri. Et bien c'est même affrontement ça les coups de balle a voyé et bien gen balle marron tout et bien ça veut dire au capable habiter Cité Soleil ou ca c'est juste passer ou passer et bien ou arrivé perdi la vie ou c'est ça que fait population dans Cité Soleil yo même yo mandé ak autorité yo même pour voyager garder yo parce que yo censé prisonnier sans yo pas derrière yon bao sans pas pénitencier ou bien sans pas ta quoi des bouquets et bien yo c'est prisonnier parce que pour sortir dans un quartier pour aller vaquer à occupation. Eh bien, de vous sortir dans quartier ennemi, yo tout considéré comme ennemi yo, même si yo armé ou pas. Et c'est plus jeune garçon qui arrivé victime dans affrontement ça parce que yo dit tout jeune garçon qui dans quartier ennemi yo même, eh bien, c'est ennemi qui yo même yo yé, ça veut dire y a fini avec yo et nous songer te gen camionnette qui t'a transporté moun. Ben gang rivo te vide bal sou kamyonèt sa et en pile moun nan te perdi la vie plusieurs autres te arrivé sorti blessé
en bas à taxi là. Ça fait demander autorité dans la police, directeur AIPNH là, bien lui-même pour lui prendre responsabilité li face avec bien crime ça yo k'ap fait en dans cité a. Faut que dégager yo pour retourner mettre la paix dans cité soleil. Eh bien, bagay la pas trop différent tout pour population nan Bel Air. Depuis en plusieurs mois, eh bien, c'est affrontement entre Robelé et Babelé et ont accusé gang crash édifié, ont même fait connaître les alliés G9 lui-même, eh bien, qui était dans Babelé, cap, eh bien, simé la trouble dans Robelé et monsieur dans Robelé lui-même, il a répliqué et qui est cap victime, c'est population civile là lui-même qui toujours a victime. Parmi eux, il y a une jeune demoiselle qui est Natacha Lubeka lui-même qui victime en babal bandit et il y a l'autre monde encore qui arrivé victime soit blessé ou bien mourir en babal et bien affrontement cap fait entre deux gangs rivaux ça et vous fait connaître il y a une gang c'est pour opposition qui est lié. Et l'autre là lui-même c'est pour pouvoir, ça veut dire son bataille pour territoire qu'a fait pour sa cap diriger toute belle et nette. Eh bien c'est au cap gain possibilité gagner dans élection qui vient pour venir dans la coupe pays d'Haïti. Et nous connaissons l'année 2021, c'est l'année électorale qui est liée. Et tout gang nouveau ça qu'on dit c'est affaire politique qu'a géré et bien gain main politique là-dedans pour capable gain contrôle territoire et là on met ton bureau vote nous tout connaît ça qui va le passer et qui gen élection Haïti les mêmes qui gen li toujours fait et bien autorité au même paraît impuissant et nous connaît dans Bel Air non Bel Air lui-même et bien gain bien quartier général Boyd c'est là lui-même que lié pas jamais gain une intervention qui fait les gangs ça eux même y a affronté et nous songe dernièrement là et bien dernier affrontement qui t'est fait yo t'es gagné en pile car il t'est boulé t'es gagné en pile monde tout qui t'est perdu la vie non diffé et en pile l'autre disparaître ça veut dire chaque jour pays a vinn plus grave de jour en jour les c'est pas kidnapping les gagne trêve kidnapping qui fait dans une zone et bien l'autre zone eux même et bien c'est affrontement qui gagné et dernier jour ça tout nous capable et bien gion l'autre système capable développer côté bandit a rentré dans business al casser business prend l'argent bat mon et eh bien ça veut dire tout gens pays à lui-même li veut paraître invivable c'est ça qui en pile monde dernier jour ça a courir quitter pays à en tout cas autorité au même doit prendre responsabilité yo. Eh bien, dans go naïve lui-même la police même fait un gros tonton travail bien les arrivé mener opération pour mettre en barcode yon individu qui ont accusé de kidnapper. Eh bien, individu ça yo connaît son nom Jacques Robert Guillaume alias Jeko. Eh bien, au fait connait li participer dans plusieurs cas kidnapping parmi yo yon pasteur dans zone là qui relé Asifa. Eh bien Jeko lui-même te participé dans kidnapping qui te fait sous pasteur ça et dans opération ça qui te mené en présence commissaire gouvernement juridiction ça met Sera Gassius lui-même et bien il fait connaître Jeko ça lui-même t'a opéré dans un gang qui chita colle dans Ruel Fleurissin dans cité l'indépendance et dans cadre opération ça et bien plusieurs armes saisies et bien en pile cartouche tout plusieurs téléphones saisis dans cadre opération ça ça veut dire c'est pas seulement dans Port-au-Prince gagne examen kabaya population problème et bien dans province surtout et bien en pile l'autre malfrats même qui empêcher population vivre et bah ça c'est tout temps l'a développé côté grand pile nèg tout qui eux même sorti dans Port-au-Prince et puis à la ville provinciale al reproduit même ça qu'a fait dans capitale là là en tout cas dans Gonaïve il y a un sur mais n'importe Port-au-Prince nous pour quoi action concrète et bien institution policière là l'autre information que nous porter pour là et bien c'est plusieurs femmes qui arrivaient joindre libération yo dans prison civile quoi des bouquets et bien c'est ça maître Bedford Claude lui-même qui fait un procès spécial mettez ensemble avec droit et tribunal première instance
Port-au-Prince, Bernard, Saint-Ville lui-même, eh bien, il a libéré plusieurs femmes et parmi eux, dit, en pile dans le monde, ça a été déjà purgé, peigné déjà, eh bien, il a fait ça dans l'occasion. Faites maman et pour être capable, eh bien, fini, commencer ou bien gourmer contre détention préventive prolongée, nous connaissons son poison lié dans eh bien prison nous yo, puisque il y a une prison qui pas là pour qu'il y ait puisque 700 monde eh bien il y a plus passé 1000 combien monde la donne et prison civile ça lui-même il était créé pour gain seulement 300 détenus et qu'on y a ce dernier recensement qui a fait là il dépassait 300 qui était derrière. En tout cas, c'est une belle initiative Maître Bedford Claude lui-même il prend et nous souhaiter ça lui-même il continue dans toute prison nous yo. Eh bien, c'est là nous mettons en bout avec série information nous yo. Merci à vous-même qui t'ai prêté notre attention avec fidélité. Nous casser rendez-vous très prochainement pour une autre série information vraiment intéressant et n'a invité vous. Abonnez à la chaîne là, activez cloche notification comme ça ou pas perdre même yota dans série information n'a bien pour porter pour vous.